une qui est sortie. Ça sort de partout. Elle y est. Oh là 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 là, ça sort de partout. Je vais essayer de voir la caméra, mais moi je vais. Oh, c'est impressionnant. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très très heureux de vous retrouver à nouveau pour une nouvelle session pêche Veron Magné. Et dans celle-ci, je vais encore vous approfondir la pêche avec des subtilités, des choses que vous pouvez prendre pour vraiment produire une pêche très efficace. Vous allez voir, il y a quand même des grandes actions assez inédites sur YouTube. Je vous dévoile aussi un petit peu le matériel que j'utilise, mais cette fois-ci, la canne, la nouvelle canne que j'utilise. Vous allez voir tout ça juste après. La monture Armovive, toujours utilisée. Je vous remets pas en détail. Le montage, je vous mets la petite vidéo juste là, vous pouvez cliquer dessus et aller voir un petit peu de plus près. En tout cas, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas comme d'hab à la liker, à la partager, à vous abonner sur la chaîne MyStreet. Je pense que vous allez vraiment prendre du plaisir encore sur cette vidéo. On se retrouve tout de suite là et après au bord de l'eau. Je vous dis bonne vidéo à tous, c'est parti. Voilà, donc au niveau du matériel que j'utilise pour la pêche au Veron Magné, en tout cas la canne, l'ensemble, le combo que je trouve vraiment top, en tout cas pour cette saison. Je me suis procuré tout simplement en fait la Loxus VM de chez Marc Delacoste. Voilà, c'est une canne qui fait donc 2,70 m, planche de grammage 5,15 g. Donc ça fait super plaisir de pouvoir trouver un équilibre, on va dire, presque parfait. Avec ça, j'ai associé l'XLR LT2500 qui est quand même très léger, voilà. Avec un fil de 16 centièmes. Là, j'ai pris du 16 centièmes parce qu'on est quand même sur une rivière avec susceptible d'avoir de très beaux poissons. Mais j'optimise quand même un peu plus la discrétion avec du 16 centièmes, encore de ligne totale comme je vous l'ai expliqué, pour après associer donc directement la monture Armovive pour le Veron. Franchement, je pense qu'on est vraiment sur un super ensemble. Je suis très très satisfait de cette canne. Vous voyez, elle a quand même une belle finition. Et je trouve qu'elle a vraiment cet équilibre total avec en fait la légèreté à la fois de la canne ainsi que le moulinet XLR LT2500 de chez Daiwa qui permet vraiment de pouvoir donner une légèreté totale et encaisse très 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 bien les coups de tête. Et ce qui est super intéressant, c'est que vu qu'elle est quand même très légère, la pointe, l'action de pointe est vraiment très très propre, donc on arrive vraiment en fait à tout simplement sentir la touche des poissons, et ça c'est très très important de le souligner, qui permet en fait d'avoir tout de suite ce ferrage pour ne pas venir à louper les poissons. C'est quand même important de rappeler qu'il faut quand même une canne assez souple, assez légère pour pouvoir vraiment sentir la touche au niveau du Veron. Voilà les amis, maintenant on va partir à la pêche ensemble. J'espère vraiment que la vidéo vous plaira, on va être vraiment dans l'explication totale sur une belle journée de pêche au Veron Magné. Je vais essayer de vraiment vous expliquer toutes les ficelles, tout ce qui peut être le plus important, le plus subtil pour pouvoir vraiment produire une pêche propre, efficace, avec le matériel adéquat. Et je pense qu'on va passer une bonne journée ensemble au bord de l'eau. Allez, à tout de suite. Bon les amis, on va attaquer le parcours depuis là. Voilà. Il y a un peu plus d'eau que la dernière fois, donc ça fait plaisir. C'est légèrement teinté, dû aux dernières pluies qu'il y a eu, qui ont été très violentes. Faut pas oublier que cette année, on a de l'eau. Donc ça fait plaisir. Et là, je vous le dis clairement, on est au mois de juin. On a des niveaux qui sont bons. Donc ça fait plaisir. Donc on va attaquer tout de suite voilà, la session. Et là, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va vraiment aller les chercher en dessous des pierres, voilà, dans les fonds, dans les cavités, pour essayer de les déloger. Voilà, le plus important, c'est ça, c'est de les déloger. Vous voyez, quand c'est comme ça, là, il y a un arbre, une pierre, susceptible d'avoir une truite juste en dessous. On peut déjà essayer de dandiner devant comme ça. Vous voyez, et il peut y avoir un poisson qui sort. Il faut vraiment prospecter tous les postes et vraiment essayer de dandiner partout. Vous voyez, oh là là, elle a une qui est sortie. Oh là 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 là, elle a pas tapé tout de suite, mais elle est sortie. Là, il y a un super spot avec une belle zone de courant. Je suis directement dans le bouillon. Oh là là, ça sort de partout. Oh là 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 là. Oh là 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 là, ça sort de partout. Je sais pas si vous les voyez à la caméra, mais moi je les vois. Hein.
Elle y est. Non mais c'est pas possible. Je rate tout. Elle y est. Joli. Super. Voilà. Génial. Premier poisson. Premier poisson, elle est pas très grosse. J'ai piqué dans l'épuisette, je crois bien en plus. Ouais, voilà. C'est encore plus royal. Premier poisson, elle est pas grosse, mais elle est magnifique quand même. Vous voyez, super fish. Ça, ça fait plaisir. Allez, la première d'une longue série. En plein courant, vous l'avez vu. Allez, repart, cocotte. En plus, elle m'a pas esquinté le verron. Ça, c'est génial. On va retenter là. Elle y est. Oh, c'est plus gros. À peine plus gros. Magnifique. Oh là là, super. Super. Oh là là, ça y est, ça commence. Ça y est, commence à se réveiller. Tout ce qu'il faut, les amis. Alors ça, ça fait plaisir. Hein. Vous voyez, tout de suite, défait. Allez, je la prends pas. Magnifique. Magnifique poisson. Ça, ça fait super plaisir. Regardez-moi les couleurs qu'il y a là. Rouge comme ça, là. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau, les amis. Vraiment, hein, super. Allez, repars, cocotte. Hop. Et de deux dans le même trou. Mais que se passe-t-il? Il y en a combien qui sortent? Impressionnant. Pas des blocs, hein. Mais il y a du poisson. Hein. Voilà, magnifique poisson fait hors caméra. Comme vous le voyez, je l'ai montré. Voilà. Voilà, ça va repartir du coup. Super poisson hors caméra. Allez, va ma belle. La voix, allez, repart. Là, vous voyez, des pierres qui sont à gauche, susceptibles de cacher un beau poisson en dessous. Là, normalement, ça leur est tapé. Ça, on va essayer d'être... Oh, yeah. Oh là là, vous l'avez vu sortir? Magnifique, elle était pas très grosse. Bon, on a vu que c'était une petite, il y a peut-être une plus grosse. Alors quand c'est comme ça, on va pas tenter de faire trop de lancers. Parce que le problème avec les grandes cadres en lancer ramené, c'est que là je suis quand même un peu avec un petit verron et je peux ne pas bien sentir la touche. Donc ce qu'on fait, on donne un peu plus de mou, on fait comme au toc, on tend son fil, on lance comme ça et là on va sentir un peu plus la touche. Vous voyez? La pierre à droite là, ce que ça abrite à droite, joli cache. Si ça tape, ça va réveiller quoi. Je me dis qu'il peut y avoir très gros là. Oh là là, comme elle est sortie, comme elle est sortie, je sais pas si on la verra à la GoPro, juste en face de moi là. Et alors ça faisait un bon 25-30. Hein. Elle y est. Elle y est. Super. Oh là là, chandelle. Magnifique. Superbe. Oh, et puis alors les couleurs qu'il y a là. Vous l'avez dit, c'est la même. Elle a retapé, c'est la même. Magnifique. Super. Oh là, les couleurs qu'il y a là. Super. Piqué comme il fallait. Voilà. Oh, allez, une pointe noire qu'il y a là. Mais regardez-moi ce fish, les amis. Mais elle est sublime.
Elle est juste magnifique. Regardez-moi ce fiche. Allez ma belle, pars. Oui, oui. Bon les amis, voilà la première qui est en dessous de la grosse pierre juste là, vous avez vu, elle est sortie une première fois là. Après je l'ai vu se remettre un peu sur la gauche, donc du coup j'ai retenté de jeter le long de la pierre, elle est ressortie et boum, elle a tapé. Franchement des points noirs comme jamais vu quoi, 100% méditerranéenne, mais alors je me demande si c'est pas un peu croisé, il y en a qui pourront me le dire d'ailleurs dans les commentaires, dites-moi si vous pensez que les poissons sont un peu croisés, parce que franchement autant de points noirs comme ça avec des points rouges qui viennent se mélanger, c'est juste magnifique quoi. Allez, dans le bouillon, à mon avis, ça va encore taper, les potes. Hein. Parce que là, elles sont actives, il y a du poisson, c'est... Bon, c'est pépite. Hein. Pareil, sous la pierre. Elle y est. Joli. Magnifique poisson. C'est joli, c'est maillé. Ah, superbe. Superbe poisson. Superbe. Hop là. Ah, super. Superbe. Superbe. Ah, y a pareil, il y a des bons caches là. Oh, elle y est. Oh, la belle. Oh, la belle. Oh, je sais pas si elle va retaper. Putain. Oh là là, on l'a vu sortir. Est-ce qu'elle va retaper? Elle y est. Elle y est. Oh, joli. Ah, elle est repartie. Ah, c'est pas grave. Elle s'est décrochée. Bah ouais, tant mieux, comme ça au moins. Poisson. Super. Yes. Très joli poisson. Wow, super. Magnifique. Super poisson. Allez, il est costaud celle-là. Bien de Dieu avec des belles formes. Super. Vous voyez, comme je disais, super poisson. Magnifique. Allez, repars ma belle.
je laisse plus couler. Voilà. C'est joli. Oh putain, c'est très gros. Putain, c'est très gros, les amis. J'ai le Graal. J'ai le Graal. Oh. Putain, j'ai le Graal. Regardez-moi ça. Toute l'action là. C'est très très beau. Super. Oh, j'ai pas la rater. Allez. Allez, l'action. Oui. J'en perds mes lunettes. J'en perds mes lunettes. Oh, elle est belle. Elle n'est pas si grosse que j'imaginais, mais elle est belle quand même. Magnifique. Magnifique. Super poisson qui est quasiment fin de session dans un trou pas possible. Voilà les amis, la session s'achève. J'espère que vous avez passé un excellent moment. Moi, je me suis régalé avec vous. Vous avez vu des poissons complètement actifs. La technique du verron fonctionne extrêmement bien avec la monture arme vive qui donne encore plus de discrétion. N'hésitez pas bien sûr encore à liker la vidéo, à la partager, à commenter, à me dire si vraiment cette session vous a appris des nouvelles choses au niveau de la pêche au verron. Si ça vous a plu, franchement, merci à vous de suivre encore les vidéos de Mike Street sur la pêche au verron manié. D'autres vont suivre. Je donne rendez-vous très très vite pour une prochaine vidéo. On se dit après la pluie, parce que là, ça y est, je suis en train de me faire rincer. Juste à temps, je viens de terminer, donc ça, c'est cool. Allez, on se donne rendez-vous bientôt au bord de l'eau. Encore merci de votre fidélité. Je vous dis ciao.